Aujourd'hui, j'aimerais te faire un point par rapport à la méthode Crawl 2.0 et plus généralement à nos programmes de natation en ligne. Car depuis quelques semaines maintenant, la transition est confirmée. Les nageurs 2.0 ne sont plus ridicules, les nageurs 2.0 sont devenus dangereux. Alors je te rassure, non, on n'est pas devenus des bandits du jour au lendemain. Nous sommes devenus dangereux pour les croyances des sceptiques. Et je vais te partager quelques exemples qui datent de moins de 24 heures. N'importe quoi, les vidéos et les conseils ne remplaceront jamais l'école de natation ou l'éducateur sportif sur le bord du bassin. Moi quand je lis ça, ça me rappelle l'histoire du maréchal Ferrand qui à 120 ans déclarait avec toutes les convictions du monde: la voiture, ça remplacera jamais un bon cheval. Car selon Schopenhauer, chaque innovation subit trois phases. D'abord, elle est considérée comme ridicule. Ensuite, dangereuse, la peur. Et enfin, la dernière, considérée comme une évidence qui a toujours existé. Et nous entrons donc dans la seconde phase, celle de la peur. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si tu es déjà membre d'un de nos programmes 2.0, c'est que tu es soit un enthousiaste, soit un visionnaire. Car tu as choisi d'adopter cette innovation alors qu'elle était encore considérée par la majorité comme ridicule. Or, toujours selon Schopenhauer, la prochaine étape, c'est celle de la peur. Et ce qu'on peut observer désormais, c'est que les sceptiques vont critiquer avec conviction cette innovation. Et bah, on ne peut pas grand-chose pour eux. Les pragmatiques, quant à eux, sont encore indécis. Et c'est là que ton rôle en tant que nageur 2.0 devient le plus important, car les pragmatiques ont besoin d'être convaincus par tes retours positifs. En partageant autour de toi tes progrès, tes succès, tes remises en question et le plaisir que tu prends à apprendre et à mettre en pratique ces nouvelles connaissances. Et que ce soit par le bouche à oreille, par les retours en message ou en vidéo, ils sont tous très précieux pour permettre aux nageurs pragmatiques de ne pas tomber dans la peur véhiculée par les sceptiques. Mais attention, car ta mission présente quelques embûches. Les exemples dans l'histoire de l'innovation sont légion, que ce soit l'abolition de l'esclavage, le droit de vote pour les femmes, ou l'exemple que j'ai choisi de prendre, l'héliocentrisme. L'héliocentrisme, c'est l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, et non pas l'inverse. Copernic puis Galilée tenteront de leur vivant de populariser l'héliocentrisme auprès du grand public comme des scientifiques de l'époque. Mais ils se sont heurtés à un gros problème, c'est-à-dire que leurs ouvrages et leurs publications ont été bannies, interdites par les plus grands sceptiques de l'époque, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante. Car depuis toujours, la croyance était « le soleil tourne autour de la Terre ». Mieux, la Terre est le centre de l'univers. Et finalement, il se sera écoulé plus de deux siècles entre la proposition initiale de Copernic et la levée de l'interdiction par l'Église et par Benoît XIV. Et dans ce cas précis, les conservateurs et les sceptiques ont résisté fortement au changement car leurs croyances sont très rigides et bien ancrées. Car accepter que la Terre tourne autour du Soleil, c'est remettre en cause ce en quoi ces hommes ont toujours cru vrai, et c'est douloureux. Et reconnaître notre erreur ou nous remettre en question est douloureux pour notre ego. Ainsi, notre schéma de protection naturelle est d'attaquer ce qui met en danger nos croyances ou notre ego. Et ce qui fonctionne à l'échelle de l'individu est encore plus puissant à l'échelle de l'ensemble de la société, car les sceptiques et les conservateurs vont donner la parole uniquement aux experts qui vont renforcer leurs propres croyances. Et aujourd'hui encore, comme pour Copernic et Galilée, la parole des sceptiques est toujours celle qui a le droit à la plus grande tribune, et les autres sont mis sous silence. Cependant, un ami m'a partagé une information qui peut nous donner de l'espoir. Un pragmatique a besoin du retour de 5 personnes pour se laisser convaincre.
Ainsi, le meilleur moyen de combattre l'ignorance et les sceptiques qui la véhiculent, c'est en communiquant. Et les témoignages des nageurs 2.0 viennent apporter une preuve supplémentaire. Chaque preuve vient ébranler la peur de l'innovation et brique par brique, nous construisons ensemble l'évolution de l'innovation crawl 2.0 vers la troisième phase, l'évidence. Donc si tu es encore pragmatique ou un visionnaire hésitant, les nageurs 2.0 t'ont préparé un message sur cette page. Clique juste en dessous ou dans la description pour visionner leur message.